Bonjour à tous, merci d'être là. Hippocrate de Cosse. On le considère encore aujourd'hui comme le père de la médecine, le père fondateur de la médecine, puisqu'il a établi des bases solides qui ont traversé les siècles, puisque même nous, à tel point que nous, médecins, avons prêté le serment d'Hippocrate. Et il y a une phrase intéressante dans ce serment qui est préservez protéger, promouvoir la santé sous toutes ses formes, physique et mentale, individuelle et sociale. Alors c'est intéressant d'entendre l'association entre physique et mentale, individuelle et sociale, paraît logique puisque est-ce qu'un individu peut rester individuel en dehors de la société et la société est faite d'individus Mais physique et mentale, est-ce qu'on doit interpréter physique et mental comme le physique d'un côté et le mental de l'autre Ou comme une association des deux Le mental s'entendant, autant d'Hippocrate, comme étant tout ce qui caractérise l'humain dans ce que finalement, je dirais, qui est son essence, c'est-à-dire son être, et donc son émotionnel. Et donc le physique et le mental peuvent-ils être dissociés je pense que non. Il est vrai qu'à la fac de médecine, on nous a appris les organes et de manière magnifique. D'ailleurs, on a appris des choses extraordinaires ces 50 dernières années sur le corps humain qu'on ignorait, puisque la médecine se fondait sur les principes de Galien, qui lui était né euh, deux siècles après Jésus-Christ et qui décrivait l'anatomie avec des particularités dues aux animaux. Et comme ce, ce, ce personnage a imprégné la médecine de manière tellement puissante que ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle qu'on a commencé à disséquer les humains, et on les brûlait, on les écartelait, on les écorchait, mais on n'avait pas le droit de les disséquer, et donc on s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs anatomiques. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'on peut aujourd'hui départir le psychique, et donc l'émotionnel, du physique Hippocrate nous a laissé des principes. Primum non nocere. En premier, ne pas nuire. Docere, transmettre, vis medicae, medicatrix, excusez-moi pour la faute de syntaxe, naturae, la nature est guérisseuse, et tola causae, rechercher la cause. Alors, ça, c'est quelque chose de passionnant parce que, est-ce que quelqu'un qui fait des migraines est migraineux Est-ce que quelqu'un qui a mal au dos est forcément arthrosique ou dorsalgique, et c'est-à-dire voué à souffrir à vie C'est une vraie question, on va tâcher d'y répondre. Je vais essayer de vous amener des éléments de réponse là-dessus. Alors, pour essayer de vous amener des éléments de réponse là-dessus, on va commencer par faire un peu d'anatomie, de physiologie, mais de manière simple. Comment fonctionne l'humain Je parle de l'humain qui bouge. Et qui finalement s'apparente aux animaux, eh bien nous sommes un corps qui, qui se meut. Et pour se mouvoir, nous avons des muscles. Et comment fonctionnent les muscles bien, Ce sont des unités, des organes, qui, ont, qui sont formés principalement de deux fibres protéiques, actine et myosine, qui ont la capacité, sous l'influence d'une un, impulsion électrique transmise par le cerveau, de glisser l'une sur l'autre et donc de se raccourcir. Et nous pouvons bouger parce que nos muscles sont capables de se raccourcir. C'est intéressant de faire ce petit rappel anatomique ou anatomo-physiologique parce que c'est comme ça qu'on va expliquer une grande partie des maux de dos et une grande partie des migraines. Au repos, le muscle, mettons un biceps, fait cette taille, sous l'influence d'un afflux électrique, il va se raccourcir. Et c'est parce que mon biceps est capable de se raccourcir que mon bras va se plier. Et c'est parce qu'ensuite, je vais demander, mon cerveau droit va demander à mon triceps de se raccourcir que je vais pouvoir étendre le bras. Et c'est parce que je vais demander à mes fléchisseurs de la main droite de se raccourcir que je vais pouvoir plier la main. C'est important de comprendre ça parce que ce qui est la base du mouvement peut être aussi la base de nos souffrances. Comment Parce que nous avons même au repos ce qu'on peut appeler une tension musculaire de base. C'est-à-dire que quelqu'un qui est totalement au repos, donc en position décontractée, si vous le touchez, il aura une certaine fermeté. Il ne sera pas tout mou. Ou tout rigide, encore que. Pour obtenir une fluidité plus importante, on va lui proposer des plantes médicinales, par exemple, pour qu'il soit plus détendu. Une anesthésie générale. Et là, vous toucherez les muscles qui sont plus mous. Et on peut même aller plus loin en faisant une injection de curare, comme on le fait quand on désarticule une hanche, parce que même sous anesthésie générale, on n'arrive pas à désarticuler la hanche pour faire, mettre une prothèse totale de hanche. Et donc. Qu'est-ce qui fait qu'un muscle va être plus dur ou plus, plus mou C'est tout simplement l'intensité du signal électrique. Intensité du signal électrique, électrique commandée par le cerveau. Vous tenez un seau en plastique, vous n'avez pas besoin de recruter, c'est le terme qu'on emploie, beaucoup de fibres musculaires du trapèze, du deltoïde, du biceps, du long pour garder le seau au bout du bras. Mais imaginons que j'ouvre le robinet, et évidemment le seau va peser de plus en plus lourd et vous allez être obligé de recruter, vous ne vous en rendez pas compte, mais votre cerveau va envoyer une impulsion électrique de plus en plus intense pour recruter dans ce raccourcissement de plus en plus de fibres. C'est comme si on disait « viens nous aider, viens nous aider, on est deux à retenir la voiture, puis droit, puis 10 ». Et en fait, c'est ça qui se passe, le signal électrique monte et les muscles se durcissent, et du coup, on peut résister au poids du saut qui augmente car le robinet est ouvert. Et donc... On a parlé de l'extrême bas, comment avoir des muscles tellement mous que c'est presque de la gelée anglaise. Et on peut avoir des muscles extrêmement durs. Vous avez des gens qui cassent les dents en dormant, ça arrive. Mais nous n'arrivons même pas à mettre les muscles au maximum de leur intensité par la volonté. Il y a une maladie qui s'appelle le tétanos qui, quand on l'attrape, et d'ailleurs on meurt une fois sur deux de paralysie respiratoire, les muscles sont tellement tendus qu'on va mourir en ayant fracturé des os tellement la pression, la fraction des muscles va être puissante. Donc, vous voyez qu'entre l'extrême bas et l'extrême haut, on a tout un éventail de niveaux de tension musculaire. Voilà, j'ai lâché le mot tension musculaire, qui va être dépendant de beaucoup de choses. De notre culture, de ce que nous faisons ou pas, si nous sommes devant la télé en train de regarder quelque chose qui nous plaît, ou si nous sommes stressés. Stressés. Pourquoi pas dire tendu, finalement C'est intéressant d'employer le mot tendu, parce que finalement, on est le plus précis possible en disant être tendu. Parce que être tendu, c'est avoir les muscles en tension. Et vous voyez, on emploie parfois des expressions sans même se rendre compte à quel point elles sont précises, à quel point elles sont pertinentes. Détends-toi, ça veut dire relâche tes muscles. Les Américains sont plus, exemple, euh, pragmatiques, on va dire, mais moins profonds que nous, dans la définition. Ils disent come down, c'est-à-dire descends. Mais nous, on dit détends-toi, et pour celui qui n'a pas compris, on peut aller plus loin, on lui dit décontracte-toi. Et décontracte-toi, ça veut dire quoi Ça veut dire relâche tes muscles encore une fois. Et s'il n'a pas compris, on va lui dire euh, Mais parce que je te sens crispé, on parle encore une fois des muscles. Ce qui veut dire qu'en fait, selon notre niveau de tension mentale, nous aurons un niveau de tension physique qui va être proportionnel, que nous en soyons conscients ou pas. C'est ça qui est intéressant. Et vous voyez, le, le, la phrase d'Hippocrate, mentale et physique, on la retrouve ici, puisque notre niveau de tension musculaire, vous allez le comprendre très vite, est capable de générer des douleurs de type vertébrale, paravertébrale, par augmentation de la pression au niveau des vertèbres, voire même des compressions d'un nerf qui s'appelle le nerf d'Arnold et de déclencher des migraines. Pourquoi Pourquoi l'un Pourquoi l'autre Nos vertèbres sont empilées les unes sur les autres elles sont articulées elles nous permettent de bouger le dos et donc de nous mouvoir. Mais pourquoi est-ce qu'elle bouge Si je veux me pencher sur le côté droit, je vais raccourcir les muscles paravertébraux du côté droit, et en même temps, mon cerveau va demander aux muscles paravertébraux du côté gauche de se relâcher. Et si je veux faire l'inverse, je vais relâcher les muscles paravertébraux du côté droit et contracter, c'est-à-dire raccourcir les muscles paravertébraux du côté gauche. Mais que se passe-t-il quand les deux sont en tension normale Eh bien, je me tiens debout. Mais si j'augmente le niveau de tension, comme je suis en train de le faire, il y a bien un moment où je vais avoir Mal au dos. Et ceci vous explique qu'il y ait de l'arthrose ou pas, pourquoi on peut se réveiller en ayant déjà mal au dos, pourquoi une douche chaude, un mouvement prolongé, un peu de chaleur va nous améliorer les douleurs, c'est parce que c'est musculaire. Je n'ai jamais rencontré d'os qui s'améliore à la chaleur. Par contre, les muscles relâchent à la chaleur. Et donc, c'est intéressant de s'auto-observer parce que vous voyez, la médecine nous a apporté des choses merveilleuses, mais a occulté notre capacité d'auto-observation et notre capacité à agir, interagir, réagir et être acteur de notre santé. En deux mots, et pour faire un peu lapidaire, je dirais qu'on nous a dit la santé, c'est prendre des médicaments. C'est un petit peu court. Notre rôle dans la santé peut être immense, ne serait-ce qu'en prenant soin de soi. Et en s'observant. Et donc pour les gens qui ont mal au dos, il est intéressant d'observer si j'ai plus mal au réveil et le mouvement me détend, si les périodes où je suis en stress s'accompagnent plus fortement de maux de dos, par exemple pour les femmes, une, une période prémenstruelle, et si le mouvement chaud, le mouvement prolongé a une action durable. Quand vos douleurs sont améliorées par le mouvement et par la chaleur, et que vous avez une aggravation au réveil, ne doutez pas une seconde qu'une partie et parfois la totalité de vos maux de dos est due exclusivement au fait que vous êtes en tension. Comment l'observer Et après, comment s'en débarrasser Parce que c'est ça l'idée. Donc. La première question qu'on peut se poser, c'est s'observer le matin. Si on se réveille, qu'on est raide et qu'on est obligé de tirer, ça veut dire qu'on a une participation musculaire. Alors vous allez me dire, oui, d'accord, mais l'arthrose. Ben, je vous ferai remarquer qu'il y a des gens de 20 ans qui ont mal au dos et des gens de 80 qui n'ont pas mal au dos. Qui, autour de soi, n'a pas une personne âgée qui n'a pas mal au dos ou une personne jeune qui a mal au dos Il est évident que quand on augmente la pression, vous avez compris que le muscle se raccourcissant, si l'ensemble des muscles du squelette, et pas que, on verra après qu'il n'y a pas que, se met en, se met en tension, on va raccourcir, donc on va mettre une pression, c'est comme si on nous prenait, on nous raccourcissait. En fait, on met les vertèbres en pression, ça fait mal, ça fait mal aux muscles, ça fait mal aux tendons, qui sont les tendons sont la partie charnue qui accroche le muscle à l'os et qui se retrouve en traction. Tout l'ensemble se rigidifiant, tout l'ensemble devient douloureux et évidemment, le muscle se relâchant à la chaleur, on est amélioré, qu'on ait de l'arthrose ou pas. Alors il est évident qu'avec un niveau de pression x si on a de l'arthrose, on aura plus mal que si on n'en avait pas. Mais on aura mal quand même. Et donc, c'est intéressant de savoir comment tout ça se met en place. En fait, dans notre capacité, en tant qu'humain, à percevoir les émotions, c'est le diaphragme et le ventre qui sont en premier lieu impactés. Et vous voyez que les médecines traditionnelles, on en parlent depuis longtemps, puisque, que ce soit le yoga, le shatsu, le douine, toutes les techniques, euh, ou la sophrologie, la relaxation, la méditation, le souffle est la base. Et le diaphragme est un muscle assez extraordinaire puisqu'il a une, une forme de coupole. Imaginez le couvercle d'une cocotte minute, ça le couvercle, enlever la, la poignée. C'est une coupole. Au-dessus, vous avez le cœur et les poumons. En dessous, vous avez la sphère digestive, c'est-à-dire l'abdomen. Et nous pouvons respirer car le diaphragme, quand, sous l'impulsion d'un signal électrique, qui est complètement autonome, nous envoyons cette impulsion, le diaphragme se raccourcit, en se raccourcissant, il s'aplatit, en s'aplatissant, il tire les poumons, et donc les poumons se remplissent d'air. Mais le diaphragme est accroché également aux côtes, par l'intérieur, et à la colonne vertébrale. Quand le diaphragme, a, parce que c'est un muscle extraordinairement réceptif au stress, qui n'a jamais senti, lors d'une frayeur, vous traversez la route, quelqu'un vous fonce dessus, vous le sentez où Vous le sentez au ventre, ici. Et l'impression de. D'avoir besoin d'inspirer n'est que la traduction d'un diaphragme qui est surtendu. Quand le diaphragme est surtendu, c'est toute la chaîne musculaire postérieure qui se retrouve en tension dans un seul et même mouvement, c'est-à-dire. Et pour quel kiné ne dira pas vous êtes tendu ou ostéo, vous êtes tendu. Baissez vos épaules. On travaille sur le diaphragme. L'abdomen est la partie qui réceptionne les émotions et le diaphragme également. D'ailleurs, on a de très belle expression la peur au ventre. C'est intéressant toutes ces expressions parce qu'elles sont très riches et souvent on les emploie sans même s'en rendre compte. Ça me prend aux tripes, je ne l'ai pas digéré, ça m'est resté sur l'estomac, ça me fait chier. Ce n'est pas la plus jolie, mais elle est intéressante aussi. Et donc vous voyez se dessiner un schéma entre émotion, ventre-diaphragme, système musculaire-squelettique et les contractions qui sont à l'origine de la majorité des maux de dos. Ça, c'est pour la partie des maux de dos. Donc, évidemment, toute stratégie thérapeutique qu'on pourra mettre en œuvre pour amener une détente musculaire progressivement améliorera nos douleurs, parce que si vous relâchez les tensions musculaires, vous redonnez de l'aisance et vous cessez de faire souffrir vos articulations. Et les pressions que l'on peut mettre au niveau des vertèbres peuvent être telles que ces surtensions musculaires sont à l'origine de la majorité des hernies discales. On dit à quelqu'un, vous avez mal au dos, on fait un scanner, on voit que vous avez une hernie discale. C'est quoi une hernie discale C'est un disque qui a été, voilà une expression qu'emploient les radiologues, expulsé. Par définition, quand vous expulsez quelqu'un, c'est qu'il n'a pas envie de partir. Le disque n'a pas du tout envie de quitter son logement. Entre chaque vertèbre, on a un disque qui est du cartilage avec une capsule articulaire autour et du... Un espèce de liquide qui est une graisse qui s'appelle de l'acide hyaluronique, et tout ça c'est parfaitement fluide et c'est notre amortisseur entre les vertèbres. Mais si vous le mettez en surpression, vous avez toutes les chances de pouvoir, à un moment donné, comme le noyau d'olive qu'on tient entre deux doigts, de pouvoir l'expulser. Le problème c'est que, qui part à droite, si c'est lombaire, vers la racine sacrée droite, ou qui part à gauche, vers la racine sacrée gauche, il va rencontrer un air dans son chemin et il va l'écraser. Et bien évidemment, quand une hernie discale est trop avancée, il faut l'opérer, mais il est quand même intéressant de se poser la question, pourquoi s'est-elle produite Pourquoi y a-t-il une hernie discale Pourquoi est-ce que je souffre de manière chronique Et donc, les simples questions à se poser quand on a des douleurs chroniques, voire récurrentes, mais qui se répètent en prenant de l'âge, certes, il y a une avancée de l'arthrose, mais est-ce qu'il n'y a pas derrière une véritable augmentation du niveau de tension musculaire Vérification aggravation le matin au réveil, amélioration par la chaleur. C'est pas compliqué, on s'observe et on voit ce qui se passe. Et dans la stratégie de soins qu'on peut mettre en place, on va évidemment mettre la personne qui souffre au centre de l'histoire, c'est-à-dire vous vous observez, si vous répondez oui à ces deux questions, aggravation le matin au réveil et en période de stress, amélioration par la chaleur et le mouvement prolongé, une immense participation musculaire. Peut-être à l'origine de vos douleurs. Et on peut donc se retrouver avec des gens de 80 ans qui ont pas mal au dos et des gens de 20 ans qui ont mal au dos. Les stratégies dans la stratégie qu'on peut mettre en œuvre, d'autres techniques peuvent être associées l'acupuncture, la sophrologie, les techniques de relaxation, bien entendu. On a des plantes médicinales qui sont intéressantes également, comme la matricaire qui va agir sur les tensions musculaires et qui est aussi anxiolytique. Les plantes anxiolytiques, telles que l'aubépine, la passiflore, la valérienne, le lotier, le... nous avons une quantité de plantes qui peuvent nous aider mais qui ne régleront pas le problème même des plantes réputées comme la partenelle Chrysanthemum parthenium qui est une plante dite anti-migraineuse, ne réglera pas seul le problème d'une migraine je vais maintenant vous parler des migraines si nous n'avons pas fait le lien et que nous ne nous sommes pas engagés sur une voie de ça tient en un seul mot, de détente et il ne suffit pas de le dire parce que croyez-moi quand ça fait 20, 30, 40 ans qu'on est en tension permanente, un, on ne le sait pas, deux, on a vraiment l'impression qu'on n'y arrivera jamais, parce que c'est long, et que s'il n'y a pas de stratégie, de désir d'avancer, et, et de logique dans ce qu'on va faire pour se débarrasser de ces maux de dos, j'emploie le terme débarrasser, parce que dans beaucoup de cas, on peut y arriver, et je devrais dire plutôt transformer, eh bien, ça fonctionne, quand on est assidu, qu'on a une stratégie qui est, qui est logique, et qu'on la met en place, et tout. C'est pour ça que la personne en elle-même est, le pilier de sa propre guérison. Ce que nous pouvons faire, nous, thérapeutes autour, sera d'améliorer les choses, de faciliter les choses. C'est évident que la mésothérapie, l'acupuncture, les plantes médicinales, tout, toutes les techniques de soins naturels peuvent, peuvent nous être utiles à condition qu'elles soient logiques dans cet objectif. Un mot sur les migraines. Et on n'est pas très loin. J'ai écrit un bouquin il y a 25 ans que je l'appelais Stress, migraines et maux de dos. Alors j'ai fait un jeu de mots parce que j'ai mis mot M-A-U-X, parce que, évidemment, quand on appelle, ça veut dire quelque chose. Et c'est dommage, d'ailleurs, que nous ne nous interrogions pas plus souvent sur la finalité, sur la... Comment dire le message qui est dans la douleur. Hein, qui est... On nous a appris, et c'est bien dommage, qu'il ne fallait pas s'écouter. Moi, j'ai des patients au cabinet qui me disent, « Vous savez, docteur, moi, je ne m'écoute pas. » Alors, en principe, quand on me dit ça, j'observe un moment de silence qui devient gênant. Et je regarde la personne et je lui dis, « Vous êtes certaine que c'est bien ?» Euh, doute. Et bien sûr qu'il faut s'écouter. J'ai pas dit qu'il faut s'écouter et se nombriliser comme Cadmérat dans Hyperchondriax. Je dis qu'il faut s'écouter pour obtenir des informations de ce qui se passe. Vous savez, la première des choses qu'il faut demander à quelqu'un qui fait des migraines, c'est de s'observer pour se poser la question de savoir s'il a l'habitude ou elle d'avoir les dents serrées. 99 personnes sur 100 vont vous dire pas du tout. Si je le savais, je le saurais. Pardon, si je, le, si je le faisais, je le saurais. Eh bien, pas du tout. Nous faisons bien plus de choses que nous ne savons pas que de choses que nous savons. Quel pied mettez-vous quand vous vous présentez devant un escalier Toujours le même, en premier, le, le gauche ou le droit. Observez, vous verrez. Vous venez de sortir de la douche, vous avez attrapé la serviette, vous vous souvenez même pas. Des gestes précis que vous avez faits, votre cerveau l'a fait pour vous parce que vous l'avez répété. Notre cerveau est une machine extraordinaire qui est capable d'emmagasiner des programmes. Quand vous prenez un stylo, vous chargez le programme tenir le stylo. Quand vous prenez le volant, vous chargez le programme. Et ce sont des programmes complexes parce que quand vous prenez le volant, il y a le pied gauche, le pied droit. Le même... Et pourtant, ça se fait comme si vous étiez né avec et vous n'êtes pas né avec. Tout ça c'est très utile parce que s'il fallait qu'on réapprenne tout tous les jours, ce serait compliqué. Mais le système fonctionne pour les bonnes choses comme pour les mauvaises. C'est-à-dire que quand à une période de notre vie nous avons emmagasiné du stress, nous l'avons emmagasiné ici et nous nous en sommes pas rendus compte. Mais nous avons noué notre diaphragme, nos abdominaux, nous avons tendu notre intestin, on appelle ça une colite bipolaire ou colite spasmodique ou intestin irritable ou colon irritable. Et nous avons, tiens, oui c'est vrai, mon, mon intestin a toujours été très sensible, a toujours été très fragile. Mais nous avons mis en place petit à petit des phénomènes de tension qui ont gagné toute la chaîne musculaire paravertébrale et qui ont fait que, ah oui, c'est vrai, j'avais mal au dos quand j'étais jeune de temps en temps, et puis, puis c'est vrai qu'en vieillissant, j'ai de plus en plus, mais c'est normal, j'ai de l'arthrose. Ah bon, d'accord. Observons, qu'est-ce qui se passe Réveil, chaleur, aggravation au réveil, aggravation au stress, amélioration par la chaleur, vous êtes dans le muscle. Donc, le muscle et donc le stress et par l'intermédiaire de l'intestin sont au cœur de la majorité des migraines et de la majorité des maux de dos. Les maux de dos, vous avez compris, sur pression, les migraines, c'est un petit peu plus complexe, mais finalement pas tant que ça. On a un nerf qui s'appelle le nerf d'Arnold qui sort de la moelle épinière, entre ces deux, ces trois, et qui vient se... hop, regardez le trajet, il se termine ici. Il se termine ici parce qu'il s'anastomose avec un autre nerf qui est la branche haute du trijumeau et beaucoup de gens qui ont des maux de tête appuient là la... Et ça soulage un peu parce qu'on appuie sur la terminaison du nerf. Comment est-ce qu'on peut faire souffrir un nerf On vous dit que vous avez une névralgie d'Arnold, d'accord Mais est-ce qu'un nerf a vocation à lui prendre la folie, transmettre des influx douloureux au cerveau ou est-ce que c'est parce qu'on le comprime Comment est-ce qu'on fait pour comprimer le nerf d'Arnold Vous serrez les dents. En serrant les dents, vous contractez le muscle sternocleidomastoïdien, le digastrique et le trapèze. Et le tra les trapèzes, ce sont les muscles postérieurs du cou les sternocleidomastoïdiens sur les muscles antérieurs du cou et quand ils sont contractés c'est-à-dire vous l'avez compris maintenant raccourcis c'est comme si on m'écrasait le crâne et donc on va finir par écraser le nerf d'autant que le nerf d'Arnold traverse le muscle trapèze c'est-à-dire il traverse le muscle comme une aiguille traverse un pull un tissu et quand le muscle devient douloureux le nerf se retrouve écrasé et va transmettre des influx douloureux sur lesquels on va réagir par évidemment une surtension qui va aller jusqu'au bout de la crise migraineuse au bout de laquelle je suis épuisé et comme je suis épuisé, mes muscles se relâchent. Tout ça se passe à notre insu, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans la majorité des cas. L'épuisement conduit au relâchement musculaire et la crise passe comme si la crise était arrivée par là et qu'elle soit repartie par là. En fait, c'est simplement que, épuisé, notre corps va finir par se relâcher. Alors comment est-ce qu'on fait pour se rendre compte qu'on qu peut jouer un rôle sur nos migraines C'est presque la même réponse que tout à l'heure. D'abord, il faut s'observer, il faut partir du principe que les mâchoires ne devraient jamais être au contact. Les dents ne devraient jamais se toucher sauf quand nous mangeons. Parce que manger, c'est nécessaire, les dents se touchent. Mais si vous additionnez les, les fractions de secondes pendant lesquelles vos dents sont au contact dans une journée, vous obtenez entre 4 et 8 minutes par 24 heures, c'est-à-dire le temps de contact dentaire sur 3 voire 4 heures au repas, ce qui représente rien du tout par rapport aux 24 heures. Mais quand on commence à s'observer et, et qu'on part du principe que les dents ne devraient jamais se toucher, c'est intéressant parce que de temps en temps et même souvent, on va se rendre compte que les dents se touchaient. Et le nombre de patients qui, une semaine après, m'ont téléphoné au cabinet, en me disant « "Écoutez, vous m'avez demandé de m'observer, c'est incroyable. Effectivement, j'ai tout le temps les mâchoires serrées quand je suis sur, dans la voiture. J'ai même les mains crispées sur le volant avec les mâchoires serrées. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui me donne mal à, mal à la tête Il y a une deuxième expérience à faire, c'est pour savoir si on serre les dents la nuit. Eh c'est facile, il suffit de programmer son réveil à 3h du matin, il n'y a pas besoin de le faire toutes les nuits, une ou deux fois suffit, de s'asseoir sur le bord du lit, les yeux fermés tranquillement, d'ouvrir lentement la bouche. Qu'est-ce qu'on ressent en ouvrant lentement la bouche Si on ressent une sensation désagréable, comme si, comme si on vous avait demandé de garder le poing serré longtemps et qu'on vous demande de l'ouvrir après, c'est difficile, si vous avez cette sensation désagréable en ouvrant la bouche, c'est que vous étiez en train de dormir avec les dents serrées. Et ça explique. Les gens qui vous disent effectivement. Je me réveille parfois avec déjà mal à la tête, voire le mal de tête me réveille parfois la nuit. Si vous êtes dans ce cas de figure, parfois réveille avec la douleur, parfois la douleur me réveille. Observation du fait que mes dents sont souvent en contact. Et il n'y a pas besoin de serrer à casser, hein, parce que le muscle masséter est tellement puissant, il entraîne avec lui deux groupes musculaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, et vous écrasez le nerf et vous déclenchez des, des maux de crâne. Alors on appelle ça Aujourd'hui, les céphalées de tension, c'est intéressant parce qu'on parle des tensions, justement. On appelle ça des céphalées de tension. Mais on a décrit, je ne sais plus combien de migraines différentes, mais très sincèrement, après 35 ans d'études personnelles, moi j'ai fait 20 ans de migraines et je vous garantis que je suis ravi d'en être débarrassé il y a 30 ans. Mais euh, c'est très douloureux. Et, et quand vous vous débarrassez de, de la tension musculaire permanente qui, dé, qui déclenche la migraine, petit à petit, ça diminue. Mais c'est un long chemin, bien sûr. Et ça commence d'abord par... Quand, quand j'explique ça, à un patient il me dit mais qu'est-ce que je fais Rien, rien, rien. Vous observez aujourd'hui. Faites l'état des lieux. L'état des lieux c'est ça. Est-ce que je suis quelqu'un qui serre les dents Est-ce que je suis quelqu'un qui est en tension Eh bien, c'est une observation qu'on peut faire chacun chez soi. La difficulté sera d'y penser. Alors un petit coup de feu sur la main pour y penser. Une semaine d'observation, une centaine de fois par jour, ça prend une fraction de seconde. Est-ce que mes dents sont en contact Les dents ne devraient jamais se toucher, sauf quand nous mâchons, c'est-à-dire quasiment jamais. Donc la stratégie thérapeutique sera voisine de celle dont on a parlé pour les maux de dos, hormis ce qu'on pourra faire également en acupuncture, et on agira sur la douleur, mais aussi sur les tensions musculaires. Mais on va mettre l'humain au centre de l'histoire, la personne, puisque dans ces deux problématiques, le, le, nous sommes, nous, extrêmement acteurs du aller mieux. Et maintenant, puisqu'on a parlé du ventre, on va parler un peu d'alimentation aussi, parce que l'humain, le psychique, le physique et l'alimentaire, on a un intestin qui n'est pas qu'un tube qui sert à digérer les aliments. On en a parlé tout à l'heure. On a parlé du côté émotionnel, hein, ce qui me prend aux tripes, mais on a aussi des spécificités nous en tant qu'humains qui font que notre intestin peut être aussi agressé, irrité par des aliments qui ne nous conviennent pas. Ce dont on parle beaucoup sont la viande, euh, les produits laitiers, le gluten. C'est assez facile de se rendre compte si on a un intestin est devenu irritable à cause d'une un, histoire alimentaire. On choisit une classe alimentaire, par exemple le gluten, on prend 15 jours, 3 semaines, on n'en mange pas du tout. Si on est amélioré de manière spectaculaire, pas besoin de faire des tests qui coûtent 300 euros, vous avez la réponse. Depuis que j'ai arrêté le gluten, j'ai plus mal au ventre, et comme c'est bizarre, j'ai moins mal au dos, ou comme c'est bizarre, j'ai moins de migraines, bon, on a déjà trouvé une partie de la réponse. Idem pour les produits laitiers, puisque vous savez que notre intestin, nous ne produisons pas de lactase, donc nous avons du mal à assimiler les protéines du lait. Et ce qu'on a du mal à assimiler peut nous enflammer l'intestin. Et quand l'intestin est enflammé, il se contracte. Quand il se contracte, il entraîne le diaphragme avec lui. Et quand il entraîne le diaphragme avec lui, il entraîne le reste. Personnellement, quand je mange du fromage, mange, moi qui en mangé deux trois fois par jour, je n'en mange plus qu'une ou deux fois par semaine. Mais si j'en prends un petit peu trop, je sens tout de suite le ventre qui, qui se tend. Et je sens au niveau des fesses et des lombaires. J'arrête le fromage, 48 heures après, j'ai plus mal au dos. Parce que je suis devenu un peu plus réceptif à, à force de m'observer. Et... Et c'est un chemin que je vous invite à faire parce que répondre à ces questions est finalement relativement simple. Donc vous voyez qu'il y a un lien entre les tensions musculaires qui peuvent être au centre de deux problématiques qui touchent des centaines de millions de personnes dans le monde les maux de dos et les migraines. Et finalement, vous voyez, tout peut partir de soi. Remettons-nous au centre de l'histoire, observons-nous et que faire après hein Alors. Juste un mot sur la, la, la méthode mesière dont je n'ai pas parlé tout à l'heure et, et qui est une technique intéressante quand on, quand on observe qu'on a des tensions musculaires puissantes. La rééducation mesière est faite par certains kinés et elle est très intéressante parce qu'elle fait travailler en même temps le diaphragme, la respiration, elle fait travailler la posture et l'étirement. Et vous voyez dans, dans la stratégie où je vous ai parlé d'acupuncture, je vous ai parlé de beaucoup de soins naturels, le mesière est aussi très intéressant. Mais n'oublions pas que nous sommes au centre de l'histoire et que la première des choses, en s'observant, va être de pouvoir faire un propre auto -diagnostic. Bien entendu, le rôle du médecin est absolument indispensable, parce que euh, parfois on a des maux de dos qui sont liés à des choses qui sont euh, des métastases, ou je sais quoi, mais quand on a simplement de l'arthrose, ou qu'on nous a fait un scanner cérébral et qu'on nous a dit « vous êtes migraineux », observons un peu ce qui se passe ici, et on aura parfois des, des réponses intéressantes.